Putain, je vais retrouver la sortie avec ces conneries, hein. C'est totalement niqué ici, hein. Une salle de commande. Il commence à être dépouillé. Une pièce un peu intéressante par ces petits hiéroglyphes d'Urbexer. Ça ressemble bien à un écran. Une espèce de bâche. Mais ça suffit. Yo yo yo, la compagnie, comment va aujourd'hui? Yes I. C'est parti pour une nouvelle exploration. On se retrouve dans un petit bunker abandonné. C'est parti. Oh, une salle de commande. Ah, ça c'est sympathique ça. Tout ce qui est électrique. Ah, ça c'est vraiment sympa et old school. Les petits écrans de surveillance. Vraiment sympathique. Là, ça descend direct. C'est quand même sacrément relou. Putain, c'est bordé même. J'ai pas les godasses adéquats. Donc on va rester là. Non, je vais prendre l'eau. C'est pas le but non plus. Ici, il y a quoi? Bon, c'est pas mon kiff premier, les bunkers. Merde, on devait se faire une petite sortie avec l'ami Marcus, mais il est tombé malade. Donc comme je m'étais mis en mode urbex, je me suis dit que j'allais faire un petit truc pas très loin. Et nous voici ici dans ce bunker abandonné de la Seconde Guerre mondiale. On descend encore. On arrive au bout. C'est pas très haut, hein. Ah vache, c'est quoi ce dédale de ce couloir interminable. C'est pour ça que je suis pas trop fan des bunkers. C'est parce que tu fais des kilomètres et des kilomètres pour pas grand chose. Ah,
milieu de nulle part, sous la terre. Ça résonne de ouf. Va-t-on arriver à quelque chose? Oui, je fais ça pour rien. Je pense que j'ai fait ça pour rien. Tout ça pour arriver à un cul-de-sac. Magnifique. C'est immense. Une machinerie incroyable, des gros moteurs, sûrement un gasoil, faire tourner le chauffage et tout ce qui était électrique dans ce lieu. Je sais pas trop, je suppose, c'est des supputations, donc commencez pas à me bâcher en commentaire, même si ça aurait pu aimer. Une grosse machinerie, 4 moteurs. Ça sent le gasoil, donc je pense que ça doit être du gasoil. Par ici, il y a quoi? Des pieds au mur, pourquoi pas. Il y en a qui laissent leur empreinte, mais d'une manière un peu originale. Ok, encore une machinerie, ça doit être pour l'air conditionné, enfin rajouter de l'air. Oh, les locaux, au cas où si c'est fermé hermétiquement en cas d'attaque explosive, nucléaire, tout ce que tu veux. Oups. Ah, passer par là. Passer par là que j'arrive, non? Ouais. Et là, y'a quoi? Toujours de la machinerie. Des compteurs électriques. Ah, c'est l'autre côté du réseau électrique, j'avais même pas vu cette porte d'hydrauc. Sacrément défoncé. Oh bordel, sacrément défoncé. Alors c'est peut-être les réserves d'eau, je sais pas. Probablement. Probably. Les mecs, ils sont tout démonté quoi. C'est marrant cette petite vue là. Ouais, c'était des culs. Grosse cuve apparemment. Des arrivées, ouais, ça doit être des réserves de flotte. On va essayer de faire demi-tour. Oh bordel. Oh. Un soute à liquide inflammable. Ah ouais. Mais comment ça se fait que ça s'est fermé ça? Vas-y, pour la rouvrir, merde. Merde. C'est pas comment j'ai fait ça, peut-être avec le sac. Ah, les fameuses toilettes que j'avais vues, là. C'est un peu défoncé, hein. Oh, ici, c'est fracassé aussi. Hein. Une salle de commande, il commençait à être dépouillé, sûrement des ferrailleurs, ouais. Enfin des ferrailleurs, des voleurs de ferraille plutôt. Oh, oh bordel. Titi 2020, bah t'es un gros connard parce que tu tagues les spots. Hein. Espèce de gros con. J'espère que je vais retrouver la sortie avec ces conneries. Hein. Pas tout de repenter.
tous ces dédales de couloir, mais faut réussir à repartir après. Bordel, hein. Ce chariot là, chelou. Cassage de quoi? De petits trains arrière peut-être? Oh putain, c'est mouillé ici, j'ai un trou de recoudasse. C'est totalement diqué ici. Hein. Ah ouais. C'est bizarre. Ici c'est arrondi. Comme d'habitude. Les gens ne respectent pas les lieux, même si c'est abandonné depuis la guerre. Un peu de respect pour ceux qui se sont battus ici, ceux qui ont perdu la vie ici. Waouh. Ça se perd dans cette société, le respect, malheureusement. Putain, mais c'est immense. Il paraît qu'il y a une salle de réunion intéressante, mais est-ce qu'elle n'a pas été dépouillée depuis le temps? Vais-je la trouver, surtout? L'ancien plumard, les vestiges. Ah. Là, tu as une petite réserve, ça. Ah, ça devait être une salle commune, peut-être. Pas mal de plumards ici. Des salles des machines. Mais c'est immense, sa mère. Encore par là. Arraché de partout. Aïe. Oh putain, je fais glisser en plus. C'est encore une salle des machines électriques. En fait, tu laisses mon genou tranquille. Putain. Ça a pris bordel de merde. Oh putain. Ah putain, c'est inondé ici. C'est marrant cette mélodie. Cette mélodie de goutte d'eau. Ce qui devait être certainement une petite salle de cinéma. Un truc dans le genre. Je pense que c'était ça pour divertir les soldats. Ça ressemble bien à un écran. Une espèce de bâche, mais ça suffit. Sympathique. Bon, tagué par des abrutis. Ça n'en changera pas l'homme. L'homme est d'une nature destructrice. Et qui ne respecte pas grand-chose. Donc forcément... ça crée ce genre de choses immondes.
Putain, il y avait une marche par terre, j'ai failli me tuer. C'est immense, hein. J'ai pas tout filmé, mais c'est immense. C'est vraiment immense. Espérant que je retrouve la sortie de ce truc là. Une pièce un peu intéressante par ces petits hiéroglyphes d'urbexeurs. Au moins, tu vois, ça c'est fait sur de la poussière. Ça n'endommage pas le lieu. Et en plus, ça crée une ambiance assez ouf. Urbex Ghost Crew. Urbex Nord. Polonais, un certain Alex. Salut Alex. Vraiment spécial cette ambiance. Vraiment intéressante ça. Ça, j'aime bien ça. Bon, je me suis perdu 2-3 fois. Je pense pas avoir loupé grand chose. Le plus intéressant a été fait, il me semble. Donc on va se diriger vers la sortie doucement. On va faire quelques photos d'ici quand même. Et puis let's go, parce que ça caille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas un truc que je fais normalement. Les bookers, ça me casse pas ouf de ouf. Comme je vous ai dit, j'ai voulu trouver un petit spot de remplacement parce que l'ami Marcus, il est malade, donc remets-toi bien l'ami. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec notre ami Marcus, certainement. En attendant, likez, partagez, commentez, c'est ça qui fait booster la chaîne. Alors, on a bien besoin, donc je vous dis à bientôt. Big up la compagnie. Peace.